Et bonjour les Bee Gees encore une fois, aujourd'hui ça n'arrête plus comme j'arrête pas de le dire, les Brown Eyed Girls sont de retour et pas avec un seul titre mais avec deux et je les ai fait dans l'ordre que j'ai pu et moi j'ai d'abord fait celui que vous avez vu sur ma chaîne juste un peu avant, j'espère que vous avez vu la réaction, qui s'appelait Abandoned et qui était mélancolique, triste et là je pense, j'imagine que quand ils sortent deux titres en même temps, celui-là va un peu plus bouger, d'ailleurs le titre Wonder Woman me fait penser que ça va être un peu de girl power et que ça va un petit peu envoyer, on va voir à quel point, en tout cas je vais faire la réaction pour vous sur ces bonnes paroles, allez on y va. 3, 2, 1, bleu. Déjà, ils sont à un mariage. Enfin, je sais pas qui était à un mariage. Et on entend comme une musique, mais au fond, dans une autre pièce. Ou sur une radio. Ah, quelqu'un. Ah, non. Rien à foutre. Fuck the marriage. Voilà, bad girl. On va tout foutre en l'air. Ouh, coiffure ébouriffée. Et des queers. Un maximum de drag. Je sais pas si c'est le thème du truc. Ouh. J'aurais dû m'habiller moi aussi avec une perruque et une ombrelle. Oh, petit riff de guitare, oh, qu'est-ce qui se passe? Des couleurs de partout. Clip LGBTQ. J'ai toujours rêvé d'avoir un sceptre. Genre tu me parles, tu me respectes quoi. Le mec qui doit faire des couilles en or, c'est le fleuriste qui habite en bas des studios de production de clips. Parce qu'on leur en achète des millions quoi. C'est plutôt lumineux, c'est pas badass. Ça bouge, mais c'est pas badass. Il y a donc. Il y a même des instruments à cordes derrière. Oh, pole dance! Des pole dance, mais ce sont des drags, donc je vais pas m'exciter tout de suite. Et c'est même très. Ben oui, c'est très queer comme musique, j'ai envie de dire que ça va bien avec le thème. C'est tellement rare que je suis étonné, je m'attendais pas du tout à ça. En tout cas, elle m'a l'air de s'éclater. Oh, elles reviennent en nous faisant un petit truc vraiment original, là. Je peux même pas m'empêcher de les regarder, eux, alors que normalement, on regarde peu les danseurs, parce qu'ils sont en train de faire des expressions, ils doivent se régaler à faire ce genre de choses. Et donc, c'est Wonder Woman, je suis en train de penser le titre. Et est-ce qu'elle joue effectivement sur le sur l'identité et le fait que c'est considéré comme étant des femmes, j'en sais rien du tout. Là, à vous de me dire, là, je suis vraiment pas expert, j'ai pas envie de dire des bêtises. Elles mettent vraiment en avant les vendeurs. Les danseurs. Seuses. Slash euses. Oh là là. Excellent. Je me demande si c'est... Non, c'est sa coiffure, c'est pas une perruque quand même. Voilà, pas pu mettre une perruque aussi courte. Mais j'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de... Je les connais pas, hein, de cette chanteuse-là. On voit pas beaucoup les autres. Elles veulent faire du cabaret ou quoi? C'est fou. Ah voilà, Gia, la seule que je connais vraiment. Oh, elle rigole pas, elle a de la voix, hein. Et c'est le premier danseur slash us qui est non pas en blanc mais en rose. Il y en a un qui a une perruque rose au passage. Oula, pourquoi d'un coup t'as un flingue? N'importe quoi. Et avec les percussions et tout, c'est vraiment une musique de type cabaret, j'ai l'impression. Ou d'un film qui parlerait du sujet des drag queens, tout ça. En même temps, je fais le malin, mais j'aurais pas le visuel, j'aurais peut-être pas trouvé que c'était ça le sujet. Entre la musique, la manière dont ça tourne avec les visuels, je peux pas m'empêcher de sourire. Et y'a qu'elles, les femmes qui sont habillées en noir en fait. Et c'est original, j'adore qu'elle le fait qu'elles aient tenté ça, je me demande comment ça peut être reçu en Corée. Le fait d'avoir mis autant les danseurs slash us en avant, ça me fait penser, alors c'est vieux et ça a pas du tout de rapport. Pourquoi donc quoi te montre ça? C'est pour... Parce qu'en fait, il fallait que je vois l'autre clip après.
Ça me fait penser au clip de CL, Hello Bitches, où les danseuses n'étaient pas juste des danseuses, mais étaient vraiment vraiment mises en avant. Elles étaient personnalisées, on voyait leur nom, etc. Là, c'est même pas des background dancers, c'est vraiment des gens, pour le thème, je trouve qu'elles ont vraiment voulu mettre en avant. Alors, c'est vraiment un sujet où je sais pas trop quoi dire, moi. Hein, donc, si vous avez envie de dire votre opinion, si vous en avez une, si vous en savez plus que moi. En tout cas, j'ai été surpris, je m'y attendais pas, elles m'ont fauché. La musique m'a bien éclaté. C'est pas le genre que j'écouterai tout le temps, je vous l'avoue, ça va pas forcément aller dans ma playlist. Si je tombe dessus, je trouve que c'est assez agréable. En tout cas, c'est le concept du clip qui m'a pris par surprise. Voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Prenez soin de vous car c'est le plus important. Ciao.